Bonjour, il paraît que vous appelez Philippe Gilbert, c'est vrai ça? Comme le champion cycliste. Nous accueillons ici sur le bord de la route du Tour de France plus de 850 personnes en situation de handicap qui viennent de l'ensemble de la Wallonie. Je suis chez Arthur Régnier au centre. Oui, tu es au centre Arthur Régnier et tu es habillé comme le maillot jaune en plus. Oui. Pour moi, c'est vraiment unique. Tout n'est pas réalisé ensemble. Pour moi, ça me fait quelque chose. C'est une journée un peu inhabituelle, c'est exceptionnel. D'un point de vue logistique, ça nous demande de déplacer 70 personnes, 60 voiturettes. Est-ce que vous suivez le tour de près? Vous le regardez à la télé? Oui, mais moi je la regarde le commencement et la fin. Parce que ça m'énerve, on voit rien que des paysages. Ça change du quotidien. Et c'est ça qui est gai aussi, parce que justement on sort un peu de cette routine. Ça permet de, voilà, d'être vraiment dans l'exceptionnel, de faire autre chose. Allez, du bruit, du bruit! On veut montrer aussi au public en général que les personnes en situation de handicap ont des loisirs, veulent avoir des loisirs comme les personnes, comme tout un chacun. Et ici, l'AVIC, avec la province de Hainaut, nous avons pu mettre ça au point. Nous organisons des stages inclusifs, donc avec des enfants porteurs ou non de handicap. Et moi, j'ai fait les cours. Ils ont été enthousiastes, surtout lors du passage à la caravane, parce qu'il y a tous les petits gadgets qui volent, les bonbons, ainsi de suite. Des porte-clés, casquettes. Et maintenant, on attend avec impatience les coureurs. J'ai vu le maillot jaune. Il est passé vite? Ah oui, c'est au fond. C'est d'un art. Hein. Il va le conserver? Jusqu'à la dernière. Jusqu'au non. Il ne tiendra pas. Toi, t'as la roue. Ça, c'est la selle. Toi, c'est le bidon. Et merci à tous pour ce tir avec les vélos.